Bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre Dur, dur d'être étudiant. Son auteur, Ibrahima Mbemba Bari, nous fait le plaisir de nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui. C'est parti. Ibrahim Mbemba Bari. Dur, dur d'être étudiant. Manque de logement, faim, retard de bourse d'entretien, liberté, mendicité, pléthore des effectifs et conséquences sont quelques problèmes auxquels l'étudiant guinéen, loin de ses parents, est exposé. Dans une ville comme Conakry, où le plus pauvre empathie dure, l'auteur retrace les grandes lignes de son aventure estudiantine à l'image des milliers de ses amis dans la plus grande université de son pays. Toutes les histoires racontées par les aînés sont-elles vraies Peut-être en partie. Mais avant l'acquisition du diplôme, la réalité, c'est autre chose. Et l'auteur n'hésite pas de brosser la plaie. Né en 1990 à Bokeh, vraiment, Mbemba Bari est orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université générale Lancenac-Comté de Symphonie à Conakry, où il obtient une licence en droit public, bloc international. Passionné de littérature, il a de nombreux manuscrits dans les tiroirs. Avec dur, dur d'être étudiant, il fait son entrée dans le cercle des jeunes écrivains de son pays. Monsieur Barry, bonjour. bonjour. Alors, non, je rectifie. Ibrahima Mbimba Barry, oui. bonjour. Bonjour. Allez, je vais vous serrer la main. Hein? <laughs> Merci d'avoir répondu à notre invitation. le plaisir pour moi. Bienvenue dans l'émission parenthèse. Merci. Si vous venez seulement de vous joindre à nous, mesdames et messieurs, notre émission euh, parenthèse d'aujourd'hui est exclusivement consacrée à cet ouvrage-là, hein, donc justement euh, écrit par Ibrahima Bimba Bari, et donc euh, qui est avec nous sur le plateau. Allez, alors le titre, on va aller rapidement là-dedans, là-dessus, euh, dur, dur d'être Étudiant. Le titre, il insiste là-dessus. Ouais. Et j'imagine que ça doit être très dur parce que le mot dur est répété deux fois. Et, et, et puis donc le titre de votre ouvrage, Dure, Dure d'être étudiant. Expliquez-nous déjà le contexte. Qu'est-ce qui vous a amené à, euh, à écrire euh, cet ouvrage qui, bon, on, on, on l'a lu assez rapidement. Ça se lit très facilement d'ailleurs. Ça, il faut le dire. Euh, C'est très accessible. Et, et, et puis bon, euh, euh, cette couverture, euh, ce visuel euh, qui qui, en dit, qui en dit long <laughs> là-dessus. <laughs> euh, donc on voit le jeune étudiant avec, euh, avec, euh, sac avec un sac à dos hein, et, et avec ce regard, Enfin, euh, je ne sais pas comment le qualifier. Et puis il se trouve que c'est vous-même qui avez posé ouais. euh, cette photo-là. Alors euh, expliquez-nous, quel est le contexte dans lequel vous avez euh, rédigé cet ouvrage Bon. Euh je dois dire que cet ouvrage est venu. D'abord, merci d'abord de, de m'accueillir sur votre plateau. Un C'est hein? bien beau d'avoir des projets. Euh, les jeunes Guinéens, ils sont courageux. Ils sont, malgré les difficultés qui se posent un peu partout, ils ont des projets. Et ils disent avoir la chance d'avoir un projet qui voit le jour et puis venir dans une radio bien une, télé, une télévision pour en parler, c'est déjà en plus. Donc, franchement, euh, je suis ravi. Donc, Dieu d'être étudiant, euh, je dirais que. Il est venu comme ça par accident. Donc je suis écrivain par accident. <rire> voilà. <rire> Parce que en réalité, Bon, c'est vrai, j'aimais beaucoup écrire. Je... Je suis fan des livres. Oui. Je lis tout ce qui me tombe sous les yeux, que ce soit des journaux, des bandes dessinées... Des revues, des vieilles des revues, et tout, revues, et tout, ça, ça. tout ouais. ça. Surtout, mon père, il était enseignant. Oui. Donc... Euh, il... Grâce à son encadrement, à son suivi et tout, et tout donc j'ai... J'ai eu goût, j'ai eu, disons, de, de, de lire depuis que j'étais petit. Oui. Et ça m'a suivi. Donc, moi, euh, j'ai commencé par la poésie. J'aimais écrire, des... j'aimais rimer, j'aimais oui. les vers et tout ça. Donc, dans ma ville natale, il n'y a pas de maison d'édition à Bokeh, il n'y a pas oui. de maison d'édition. D'accord. Mais bon. Comme j'aimais ce que je faisais, j'étais un passionné. croyais. Je me disais, un jour, si je quitte Boké, que je parte peut-être à Conakry, oui. où il y a des maisons d'édition, j'aurai la chance d'être édité. Donc, je suis déjà venu à Conakry avec un projet, avec un recueil de poèmes. D'accord. Voilà, donc je n'avais pas, je ne pensais, pensais pas du tout que j'allais écrire dur d'être étudiant. Oui. Mais voilà, quand je suis venu à Conakry pour la première fois, euh, quand je suis admis au bac, oui. et que je suis orienté dans l'une des plus grandes universités de Guinée, à l'université de la Sainte-Comté de Symphonia, oui. Donc, moi, c'était. J'entendais beaucoup les aînés parler de. Voilà, l'étudiant, il mène une vie d'oiseau, il est libre, il est indépendant. Et moi, qui ai grandi dans une sorte de carré, c'est-à-dire j'étais entre la maison, l'école, oui. l'école, l'école coranique, l'école oui. coranique, la oui. bibliothèque. Donc, c'était une, une sorte de, disons, de, de liberté, de, de, de partir. Voilà, D'être de de, à sa propre vent. Enfin, euh, son propre responsable. Voilà. Compare, euh... Donc, on était un peu fascinés par tout ce que nos aînés nous racontaient. Oui. Maintenant, je vais maintenant à l'université. Je trouve que euh, le rêve se transforme, se transforme vite en cauchemar. Oui. Donc, tout ce que les, les aînés nous racontaient par rapport à la vie étudiantine, à l'étudiant et tout ça, c'est tout à fait le contraire. En réalité, c'était tout à fait le contraire. Donc, dire d'être étudiant, c'est une déception. Euh, une désillusion, une révolte, oui. tout ça. Donc, oui. c'est un mélange de tout ça que, qui a donné dur d'être étudiant. Oui, ça, on le, on le voit tout de suite en lisant l'ouvrage. Dès le tout premier euh, paragraphe, enfin, le tout premier paragraphe, le, le tout premier chapitre euh, s'appelle « La seconde naissance oui. ». Ce qui est, est d'ailleurs un peu curieux comme, comme titre. Alors, en principe, on est une seule fois. Oui, oui. Et de vous, vous expliquez dans, dans ce, dans ce chapitre-là que vous, vous, c'est votre deuxième naissance. Oui. Hein, naissance, Je ne m'empêche pas de, de partager ça avec nos téléspectateurs, et évidemment, parce que vous dites, beaucoup d'auteurs nous ont parlé de leur vie parsemée de fleurs pour les uns et d'épines pour les autres, de leur tendre enfance à leur majorité, dites-vous. Ils ont essayé, à travers l'encre et la plume, de dresser un tableau récapitulant leurs joies, leurs peines, leurs premiers amours, leurs souffrances, leurs déceptions, etc. Tant de choses indéfinissables, hein, dites-vous. Une sorte de confession ou d'aveu. Moi, ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne vais pas commencer par ma tendre enfance, car ma vie à moi ne commence pas par là. Ça, c'est. On se dit, ah, mais ça, c'est. Non, non, mais moi, je, trouvais, je trouve votre façon d'aborder toutes ces questions-là un peu originale. Enfin, c'est passionnant. Ma vie à moi commença le jour où les résultats du baccalauréat s'affichèrent sur le mur de notre école et que je vis que j'étais admis. Oui, là, pour une seconde fois, je l'essaie. Point de suspension, alors on peut même continuer. Oh, ne soyez pas surpris de la sorte. Vous savez pourquoi Eh bien voilà, je savais que bientôt j'allais quitter tous ceux qui m'étaient chers. Pour un bon bout de temps et tout le temps que j'avais passé avec mes parents, je vivais euh, sous leur tutelle. Enfin voilà, c'est ce que vous essayez d'expliquer un voilà. peu. C'était un carré. Voilà. Il y avait un pré. Enfin oui, un carré. Euh, je dis euh, c'était c'était cadré. C'était cadré. cadré. Oui. La vie se résumait pour vous euh, entre l'école, euh, la maison et puis voilà. C est, c est, ça n'allait pas euh, au-delà de de ça. Oui. Hein, en dehors de quelques sorties bien entendu, mais euh, voilà. La, la seconde naissance pour vous, c'était la proclamation des résultats. Oui. Euh, on était, c'est aussi une délivrance je, je, quelque part, oui. parce qu'on est accroché euh, à ces résultats, en attendant de savoir euh, euh, est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va pas avoir. Euh, je dis toute cette angoisse, le stress oui. qui euh, qui est autour des, des résultats euh, pour le baccalauréat, en tout cas pareil pour, euh, j'imagine, pour tous les autres examens. Oui, mais oui. le baccalauréat c'est un peu particulier, oui, un peu particulier. Euh, surtout que euh, il, il, il va nous ouvrir les portes des, des études supérieures, ce que rêvent euh, tous, les, tous les bacheliers, oui. to, enfin, tous, les, tous les tous les lycéens en tout cas. Et, et puis euh, et puis donc vous, pour vous, c'était si fort que vous pensez que c'était vraiment une seconde naissance. Oui. Pour entrer dans un monde de disons, de responsabilité, oui. de prise en charge de soi. Mm. Parce que j'estime que tant que tant qu'on est avec nos parents, tant qu'on est avec papa, bon, même si je n'ai pas forcément grandi entre papa et maman, je n'ai pas, pas connu une enfance... Bon, j'ai passé toute mon enfance avec seulement papa, mm. parce qu'il y a eu un moment où mes deux parents euh, voilà, se sont, 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 sont éloignés et tout ouais. ça l'un de l'autre. Donc c'était un peu compliqué. Donc le fait de... De vraiment quitter son père, quitter tous, tous ceux qui t'étaient familiers oui. pour aller dans un, dans un monde où tu, tu ne connais pratiquement personne, oui. où tu es là, tu es dans ta propre maison, personne te réveille, oui. personne te dit il n'y a plus de révision, que, maintenant c'est toi qui sais si, tu, si tu, tu, vas vas, réviser tu vas réviser. Pas. Tu vas pas réviser. Oui. Donc euh, c'était vraiment. Euh, naître à nouveau. C'est comme si tu, voilà, comme, tu, tu, nais, tu, tu nais à nouveau pour entrer dans un autre monde que, voilà, que tu n'as jamais connu par exemple. Alors, pour vous dire vrai, moi j'aime bien cette métaphore que vous faites, euh, la seconde naissance, parce que bon, ça donne une importance euh, on va dire immense justement à, à ce passage. C'est-à-dire que euh, le baccalauréat pour, pour l'université, et, et, et là on, on a dans le texte euh, je veux dire, cette charge, tout ce dont on peut imaginer autour des résultats du baccalauréat. Mais vous, surtout, c'est encore plus intéressant dans le sens où vous quittez, et ça c'est ce que vous expliquez dans ce chapitre aussi, vous quittez le carcan familial pour aller. Il s'agit d'une aventure, mmh. une aventure vers, euh, vers un, un monde qu'on ne connaît pas. On a entendu parler et tout. Et quand maintenant, vous arrivez euh, dans, cette, euh, dans cette université, et, et puis bon, si la métaphore, justement, je vais en parler avant qu'on ne passe à, à, au chapitre suivant, si la métaphore est intéressante pour parler de seconde naissance, euh, en tant que lecteur, moi, ça me pose un petit problème. Mais je, je vais vous poser la question mmh. là-dessus. Euh, pour, pour naître, si on, a, on est né une première fois, pour qu'on renaisse, il faut bien qu'on meure. Qu'est-ce qui où est intervenue cette mort pour que vous renaissiez, à nous vous renaissiez une nouvelle fois Bon, la, la, naissance, la, la naissance, naturelle que nous connaissions tous, voilà. Bon, celle-là elle est déjà connue. Oui. Mais le fait de, le fait pour un jeune, pour moi, peut-être les jeunes qui sont un peu dans mon cas oui. euh, comprendront un peu le fait de quitter son père et sa mère. Oui. Euh, pour aller dans dans une ville euh, où tu ne connais pratiquement personne oui. c'est pas c'est pas cette même vie que tu mènes avec tes parents que tu que tu vas mener là-bas mais c'est une nouvelle vie donc va d'une certaine façon donc mener une nouvelle vie oui. c'est bah, oui. oui. comme si euh, C'est une sorte d'initiation à, à quelque chose de nouveau mm -hmm. et voilà donc oui. c'est comme si tu tu une seconde fois oui. peut-être euh, L'amour sera la troisième. Après l'amour, c'est maintenant la troisième naissance. <laughs> Allez, mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, donc, euh, nous sommes ravis de vous retrouver et pour l'émission euh, parenthèse. Cette émission aujourd'hui qui est exclusivement consacrée pour vous, mesdames et messieurs, à l'ouvrage de Ibrahim Bemba Barry avec nous sur le plateau autour de son ouvrage, dur, dur d'être étudiant. Alors dans l'ouvrage effectivement vous racontez, alors là on va arriver, mais il y a, il y a donc après la, la seconde naissance, il y a euh, ce que vous avez appelé le départ. Oui. Euh, vous expliquez un peu aussi euh, dans ce passage. Euh, euh, le, le, le contexte, l'ambiance, euh, un, un beau récit, enfin, en tout cas, euh, un récit de souvenir aussi, mmh, parce mmh. qu'il s'agit de tout ce que vous avez donc, euh, vécu, mmh. et, euh, pour euh, comment tout ce, ce, ce départ a été organisé, mmh. pour quitter justement votre ville natale, Bokeh. L'occasion pour nous de faire un clin d'œil à tous les habitants de Bokeh, évidemment, et, et mais ensuite pour venir à Conakry. Et à Conakry, puisque bon, là, vous le soulignez de passage, on s'aperçoit, vous indiquez que c'est dans la plus grande université du pays, l'Université Générale, non euh, comté de Sonfonia. Bon, euh, le, le départ pour Conakry, c'est un peu. Bon. Tous les étudiants qui ont quitté leur ville natale pour venir à Conakry ou à ou à Kankan, en tout cas dans, un, dans, dans une ville comme loin, de, loin, lo, de, leur ville loin de leur ville natale, sont tous passés par là. Donc, au fait, c'est presque. Euh, là, je suis en train de parler de mon départ mais c'est presque la même pour parce oui, que tout le monde. ça fait forcément écho à... Voilà. à, à parce qu'il y a beaucoup de... C'est vrai que ce passage attire notre attention sur un fait, effectivement, qui se vit tous les ans, ouais. mais on, force, on ne prête pas forcément attention, ouais, mais effectivement. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a un mouvement. Parce que selon qu'on est orienté euh, 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 au nord ou à l'ouest ou au sud du pays, euh, à la rentrée euh, universitaire, mm. il y a euh, un mouvement de va-et-vient euh, euh, important. Oui, C'est-à-dire oui. qu'il y a des étudiants qui quittent la capitale pour l'intérieur du pays il y a des étudiants qui quittent les villes de l'intérieur pour la capitale, mm. ainsi de suite, oui. ou d'une autre ville à une autre grande ville dans une autre région. Pour, pour des raisons, parce qu'on est orienté à tel ou tel autre endroit. fait ouais. enfin, un grand sens, un chamboulement tout ça. Ouais. surtout, euh, j'ai été toujours proche de, voilà, de, de la famille, des petits frères de papa. Donc même si je m'éloignais de, de, de la famille, c'était juste pour les vacances, mais les congés. Donc c'était pas... Pas une. Oui, une, oui. une, une voilà, Mais on on, on s'aperçoit dans votre ouvrage aussi que cette séparation avec les parents vous a marqué. Oui, ça m'a beaucoup, ça m'a vraiment marqué. C'est plus ça qui, qui vous a euh, profondément, euh, on va dire, ça, ça vous a violemment euh, secoué. Oui, C'est plus oui. la séparation ou plus ce que vous avez vécu à l'université dont on va parler, bien sûr, tout à l'heure Non, plus la séparation. Parce que moi, quand je, quand je quittais mes parents, je ne savais pas que j'allais que vivre ça à l'université. Oui. Voilà, je n'avais jamais foulé le sol de l'université, mais le fait de m'éloigner de, de mes parents, de mes petits frères, pour un bon bout de temps, euh, ça, ça me déchirait un peu le cœur, tout ça. Et je me suis rendu compte aussi que à quel point aussi j'étais une sorte, disons, d'espoir, entre guillemets, oui. pour, pour mes parents. Donc c'était, donc tu es en train de partir, on compte sur toi, va et étudie devient une grande personne et voilà tes petits frères sont là tout le monde tout, tout le monde compte sur toi donc il y avait tout ça tout cela me oui. me, me un peu mais, mais voilà et donc vous arrivez alors euh, on, on a parlé du, du départ on va oui. dans ce départ qu'est-ce qui vous a vous particulièrement marqué euh, dans ce départ là euh, quitter Bocage pour 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 Conakry bon c'est c'est toujours ça c'est toujours la même chose qui revient C est, c est trop attaché à la famille, oui. trop attaché aux petits frères. Donc, au fait, je. Tu les laisses. Je les laisse. Oui. Parce que je n'ai jamais, jamais laissé mes petits frères. Oui. Parce que je me rappelle, comme je, je, je l'ai dit à l'entame de l'émission, on a grandi seulement avec papa. Pour, oui. Pour, pour, voilà. donc Mais en euh, quoi se séparer des parents est, est aussi. Euh, est aussi, est aussi. est aussi. je veux dire, comme ça, en guillemets, aussi dramatique pour vous. Non, c'était dur pour moi parce que moi, j'étais un peu. Euh, la, la maman, entre guillemets, de mes petits frères. d'accord Parce que ma maman n'était pas là. Je suis l'aîné de la famille. Mmh. Donc j'ai aidé un peu. Il fallait toujours montrer l'exemple. Le, mmh. il, il, il fallait toujours être là pour, 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 voilà, pour, pour éviter, que pour empêcher le, les petits frères d'emprunter de, mmh. mmh. des chemins qui, mmh. qui ne sont pas un peu... Donc tout cela tout m'a cela tristé un peu. Donc j'étais comme leur maman. Donc maintenant, j'étais en train de partir. Et puis... Euh, voilà, c'est... Un sentiment de tristesse. Oui. Donc là, je suis en train de parler, mais je, je, je ressens encore. Ça réveille les. Mesdames et messieurs, voilà. dur, dur d'être étudiant, c'est le titre. Donc, euh, de l'ouvrage que nous avons pour vous aujourd'hui, autour du, 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 de l'ouvrage autour duquel nous faisons la causette, avec bien entendu l'auteur, comme toujours, on le fait, Ibrahim Mbimba Bari, donc avec nous pour euh, en parler. Il raconte dans cet ouvrage justement ses souvenirs euh, euh, bah, sur euh, la vie étudiante, les moments les plus durs, on va dire comme ça, oui. et qui ont retenu son attention. Et puis, il a partagé euh, donc euh, euh, tous ses souvenirs, euh, toute cette expérience étudiante. Euh, 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 donc Dans cet ouvrage, eh bien, qui a pour titre d'être étudiant. Alors, euh, je, 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 alors on, va, on va arriver à Conakry. Euh, vous êtes arrivé à Conakry. Comment, comment cela s'est organisé Vous en parlez dans l'ouvrage. Comment on veut partager un tout petit peu mm -hmm. tout ça avec nos téléspectateurs on, 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 on vous pose la question aussi. Bon. Euh... Contrairement à beaucoup d'étudiants, moi j'ai eu la chance d'atterrir pour la première fois chez je, je un, un de mes oncles, voilà, un grand frère à maman. Et bon, moi déjà je me dis, si je m'étais seulement fié à ça, disons, parce que c'est vrai que j'ai rencontré assez de difficultés quand je suis venu à Conakry, mais si, si je m'étais seulement limité sur mes difficultés à moi, je n'allais pas écrire ce bouquin-là. Parce que moi je me suis dit... Moi, j'ai eu la chance de venir à Conakry, j'ai attiré chez un oncle. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus, qui n'ont pas eu la chance d'attirer chez un parent. Comment les étudiants la faisaient Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer ces étudiants, on a échangé. Donc ce n'est pas que votre vie que pas voilà. Ce n'est pas que, voilà, pas que ma vie que j'explique. Oui, alors d'ailleurs parce que vous parlez de, vous dites, euh, euh, comment trouver une maison Voilà, la euh, chose ça, la plus... Ça, ce n'est pas votre cas par ouais, exemple, ouais. mais... Euh, vous avez dû savoir... Euh, oui, parce qu'à un, un, un moment, je n'ai voilà, pas, pas assez duré chez mon oncle, ouais. parce que il voilà, n'y avait pas assez de place. D'accord. Donc déjà, j'étais là-bas, euh, je dormais dans le salon, dans un petit divan, mmh. c'était un peu compliqué, mais j'étais là-bas le temps de trouver un coin où je pouvais rester, euh, non loin aussi de l'université. Déjà, j'étais venu à Conakry un peu pas tellement, pas tellement en bonne santé. Donc c'était... C'était vraiment compliqué, c'était difficile de trouver un logement. Et moi, je pensais maintenant à ces gens-là qui sont venus, mm -hmm. qui n'ont pas eu la chance d'atterrir chez quelqu'un, mais qui viennent, dès, dès qu'ils atterrissent à Conakry, c'est pour d'être moins. commencer à chercher, commencer à chercher un une logement. Maison, un logement. Mm. Donc, c'était très, très dur. Mm. Donc, c'est la plus dure des choses d'abord à Conakry, trouver un logement. Parce que la chose qui m'a frappé quand je suis venu à Symphonia, à l'université, la première des remarques, c'est que dans les universités, il n'y a pas de campus. Oui. Et ça, c'est. C'est extrêmement euh, disons, grave entre griffes. Parce que la, les 80, disons, les 70% des étudiants qui quittent leur famille pour venir dans, dans des villes pour étudier, ils sont issus de familles, bon je ne dirais pas pauvres mais modestes. Oui. Donc c'est pas oui. généralement. Mm -hmm. Donc c est, c est, ça, ça devient compliqué. Donc l'État qui, 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 qui oriente ces étudiants-là ne sait pas comment ces étudiants la font pour payer leur loyer, comme ils font d'abord pour trouver une maison, mm -hmm. pour payer le, leur loyer, mm -hmm. et comment ils font pour pa payer le transport pour venir à l'université. Donc c'est tellement compliqué tout ça, pour manger surtout. Oui. C'est ça l'ennemi numéro un de l'étudiant. Ça c'est le, le deuxième plus grand problème. Après, le problème de, 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 Je ne vous coupe de... pas, mais euh, la quatrième de couverture, on va partager, on a lu au tout début de, de l'émission, mais pour faire écho à ce que vous dites là, on va, on va relire euh, un petit bout de, de la quatrième de couvre mm -hmm. qui est... On va dire, euh, qui édifie un tout petit peu, euh, on va dire, le contenu de votre ouvrage. Hein. Vous dites ceci dur, dur d'être étudiant, manque de logement. Vous commencez tout de suite par sauter là-dedans, ouais. mais vraiment euh, sans aucune précaution. Euh, et vous dites manque de logement, fin, retard des bourses d'entretien, liberté, mendicité. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas que les étudiants mendiaient on va en parler. Mendicité, pléthore des effectifs. Et conséquences sont quelques problèmes auxquels l'étudiant guinéen, dites-vous, loin de ses parents, est exposé. Dans une ville comme Conakry, où le plus pauvre empathie dure, l'auteur retrace les grandes lignes de son aventure étudiantine à, à l'image des milliers de ses amis dans la plus grande université de son pays. Hein, euh, euh, faire des citation. Il peut apprendre toutes les histoires racontées par les aînés sont-elles vraies? Vous mettez en doute les histoires que vous vous avez entendues, ouais. peut-être en partie, mais avant l'acquisition du diplôme, la réalité c'est autre chose. Et l'auteur n'hésite pas de la plaie, alors moi j'ai envie de dire parce que c'est bien euh, de nous faire partager votre expérience à vous, mm -hmm. mais euh, peut-être que euh, faudrait peut-être pas prendre votre expérience à vous pour euh, pour les autres, mais vous, vous vous faites bien de le dire peut-être en partie parce que chacun dans ce tout, même dans cet ensemble de, de situations que vous décrivez et qui effectivement. Euh, euh, bah, disons euh, peut refléter la réalité. Mm -hmm. Je dis ça comme ça. Il faut que je prenne les précautions aussi. Euh, il reste aussi que dans le lot, il y qu'il y ait des, 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 des gens qui ne sont pas forcément dans, dans, dans cette dans cette situation. Vous n'êtes pas tendre avec 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 vos souvenirs. Enfin avec vos souvenirs, avec ces situations que vous avez vécues. Vous parlez de mendicité. C'est vraiment une réalité que les étudiants mendient. Euh, euh, oui, c'est oui, euh... oui, oui. oui, une réalité. Dit, à ce point-là. Oui, à ce point-là. Oui. Voler. Et ah ouais <laughs> Vous savez, ce qui m'a vraiment poussé à écrire cet ouvrage, oui. euh, c'est non seulement d'abord montrer, disons, montrer à la face de l'histoire que cette souffrance-là, auxquelles ces étudiants-là sont confrontés, est vraiment une réalité, mais surtout aussi amener les jeunes de cette génération-là, de notre génération, oui. de, de vraiment se remettre en cause, de ne pas rester euh, amorphe, bouger, dire quelque chose. Parce que c'est bien beau que les aînés, nos, 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 nos grands-pères, nos, grands nos, nos, nos papas, oui. se mettent à écrire pour parler de nos problèmes et tout ça. Mais je pense que si c'est comme ça, on ne va pas toucher la plaie profondément. Il faut mm -hmm. que nous qui, sommes, nous qui sommes acteurs de ces problèmes, nous qui sommes en train de subir ces problèmes, nous qui les vivons, il faut qu'on qu ait le courage d'en parler. Oui. Donc c'est un peu ça le problème. Et tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai cité dans, dans, dans tout ce que vous m'avez cité, le vol... Mm -hmm. Pour pouvoir, remplir, pour pouvoir remplir le ventre. Tous les moyens sont bons. Mm -hmm. Déjà moi, en particulier, quand j'étais à l'université, il nous arrivait moi avec mes amis d'aller dans un, dans un petit restaurant là-bas, en face de l'université, dans les maquis et tout ça. On s'assoit, on mange, on finit de manger, on se lève, on rentre tranquillement. La dame, on ne paye pas parce qu'on n'a pas de quoi payer. De ah quoi ouais, payer carrément, carrément. Vous, sauvez, vous vous sauviez en fait. On vous se mangez se... et puis, comme on dit, à la jumping, je ne sais pas, vous, on... vous, vous vous faufilez, quoi. On se faufile et puis, la, la dame demande, vous avez payé, on dit, on a payé. Et comme il y a beaucoup d'étudiants, elle se dit, bon, peut-être sûrement, ils ont payé et puis, et puis oui. ça passe. C'est ce, ce qui est un peu triste. Parce que l'étudiant, il, il, quand il était au collège, au lycée, il était brillant, il... il Franchement, il avait, il avait de grands rêves, il voulait vraiment être un, disons, un, cadre. il voulait servir son pays. Il se dit, bon, une fois à l'université, je vais faire ceci, je vais faire cela pour apporter ma part de briques à, à, à l'édifice du développement de mon pays. Maintenant, une fois à l'université, le niveau baisse. Bon, je ne suis pas en train de dire que ce sont ces problèmes-là qui, qui font qu'aujourd'hui, les étudiants ont du mal à atteindre l'excellence. Mm. Ce n'est pas à 100% cela, mm. parce qu'il est bien vrai quand même qu'il euh, y a des étudiants qui viennent à l'université. Ils n'ont pas, pas vraiment ce niveau. Oui. Toi-même qui es là, tu te demandes comment il a fait pour, 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 pour arriver à l'université. Mm. Parce que tout, 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 tout vient d'abord, disons, c'est la base. Mm. Si l'étudiant rate la base, si l'élève rate la base, ce n'est pas facile de, 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 de le regarder. Donc, mais euh, moi, j'ai vécu tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, j'ai écrit dur d'être dur, dur étudiant. Parce que pourquoi je ne me suis pas cantonné sur ces difficultés-là pour dire que je vais rester comme ça pour croiser et puis mm -hmm. voilà me servir de ça comme alibi pour ne rien faire. Ce oui. n'est pas une excuse, mm. mais c est, c est, il faut vraiment que nous touchions, euh, que, nous, que nous osions dire les choses tel, tel, telles qu'elles sont. Oui. On parle d'éducation nationale, mais on ne peut pas éduquer une nation qui a faim. Et le problème des étudiants, c'est qu'en fait, on nous tient par le ventre. Les étudiants, ils ont faim. Et pour remplir le ventre, tous les moyens sont bons. Moi, je me rappelle euh, là où je logeais, par exemple. J'étais obligé, obligé de donner des cours de français dans quelques écoles privées de la place pour pouvoir payer. J'ai des amis qui étaient dans, dans, dans des télécentres. J'ai connu des filles qui se prostituaient. Des filles avec lesquelles je logeais dans la, dans, dans la cour où je, je logeais. Des filles qui se prostituaient. Disons, euh, excusez-moi de. de, de, oh, de, 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 de c'est sérieux. De, qui, voilà, des filles qui, qui vendaient leur charme pour, pour pouvoir joindre les deux bouts, pour pouvoir payer le loyer et manger. Et quand, des, hein, étudiantes. des étudiantes. Oui. Et en y pensant, je me dis, mais elles, elles n'étaient pas comme ça.